Yop tout le monde, c'est Fraggle Game. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur Ultimate Team. Une vidéo un peu spéciale parce que cette fois-ci, on va jouer contre un ami. Il s'appelle Monsieur Kalash HD. En parlant de ça, le lien de sa chaîne sera dans la description. Là, il vient de nous inviter. On va essayer de le rejoindre. Je vous coupe tout ça et on se retrouve dès qu'on est devant le match. Relais mec, on est enfin arrivé ici. Donc on peut voir que niveau des stats des équipes, on est assez équivalent. On se vaut. Je sais qu'il est quand même pas mal fort à FIFA. Et moi Ultimate Team c'est pas mon mode préféré. Ah, on peut voir qu'il s'est fait une petite équipe hein, pas mal, hein, une hybride. Je sens que ça va pas mal piquer, hein, Ibarbo et en MOC. On voit qu'il a mis des plus 10, il est un peu paniqué. Moi je vous dis franchement, on est franchement ici, là, là, détendu. Et on va le massacrer tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot les mecs, on va le massacrer. Donc on se retrouve les mecs pour les meilleures actions de ce match. On le détruit les mecs. On est poteau, certes. Bonne qualité. Et quelqu'un de vraiment très bien. C'est vraiment une très bonne personne. On va pas prendre l'exemple de la dernière vidéo. Oh là là, on va arrêter de parler. Voilà, 1-0 les mecs. On passe même à travers les filets tellement on est face. Je sais, c'est un but de merde. Mais bon, on s'en fout. On est là, on gagne. On a voulu tenter un lob où j'ai fait un match en saison avec Liverpool. Bah, pour ceux qui l'auront pas vu déjà. On vient de voir le magnifique fail, hein, passage. Sur ceux qui l'auront pas vu, bah, je mettrai le lien dans la description. Bon, ils l'ont rétrogradé en argent. Oh là, oh là. Peggy 18. Il nous a manqué de respect. Ma dignité a été touchée là. Je me sens pas bien. C'est arrêté et hop, je te lobe. Ok, pas de soucis. Jesus Christ. Oh là là, petit pont. Petit pont, oh, allez. Regardez-moi, regardez-moi. C'est... Et en plus, je vais manger un carton jaune. Allez, mi-temps les mecs. Je vous reprends dès qu'on est devant le tableau des stats. Relais mec, alors comme vous pouvez le voir, et ça j'espère que Monsieur Kalash va le montrer, aucun tir cadré pour lui. Il a la possession. Comme d'habitude, pour ceux qui regardent mes vidéos, j'ai jamais la possession en ma faveur. J'ai 4 tirs et 2 cadrés, voilà. Clairement, je le domine, mais il y a match nul, allez savoir pourquoi. Les mecs, putain. Mais c'est même pas sincère. Peggy 18 qui nous met là, sombrero enroulé. Bah ouais, mais Ibarbo quoi. Et en plus il met des plus 10. Ah là là, le mec ça se voit il veut gagner là, c'est vraiment un bâtard. Ah. Oh, lucarne opposée, il a même pas eu le temps de comprendre. Regardez-moi ce gardien là, il bouge pas, il bouge pas. 2-2 les mecs, on revient. Et comme d'habitude, on perdra pas. Regardez où elle va. Ah bah ouais, il peut pas comprendre ce qui se passe, Joe Hart. Trop vif pour lui, Vargas, trop vif. Eh ouais. Fais chier, regardez ce que je fais. Je casse une action pour rien. Et ouais, 3-2. On met un poteau, c'est pas grave. Derrière, il revient dans nos jambes. Oh là 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 là. N'empêche le poteau. Bah ouais, mais opportuniste. Faut être opportuniste dans le jeu, les mecs. Arrêt des abdominaux, comme on a pu le voir. Non, faut pas qu'on fasse ça.
Ah, mais arrêtez, il fait des gris-gris après, il y a faute. Oh, dommage, dommage. Franchement, elle serait rentrée, ça aurait été magnifique. Allez, dernière action, dernière action. Et ouais! Je t'ai dit, dernière action, on met un but. Putain, décidément, le gardien ne bouge plus quoi quand je tire. Il y a trop de pression sur ses épaules. Regardez. Là, il l'a sorti, après, boum. Oh, tu bouges pas. Tu restes dans des goals. Oh là 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 là. Trop chaud ce Théo Walcott, trop chaud. Re les mecs, comme vous pouvez le voir sur votre écran, on l'a clairement dominé. Et ça se voit dans le score. Pas tellement parce qu'on aurait pu marquer plus de buts ou lui en marquer moins. Mais bon, on se retrouve avec 4 buts pour moi, 2 buts pour Kalash. J'ai tiré 12 fois, il a tiré 3 fois. J'ai tiré 6 fois au goal, il a seulement tiré une fois. Et là, la possession est assez... égal, donc clairement j'étais au-dessus de lui. On va voir rapidement les meilleurs joueurs de mon équipe. Sturridge, hein, clairement, en même temps il a marqué un doublé. Et pour lui c'est Kondogbia, ouais. Franchement il a récupéré beaucoup de balles au milieu de terrain. Bon les mecs, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'était une vidéo un peu spéciale parce que j'ai défié un poteau youtubeur. Donc si vous voulez aller voir sa chaîne, le lien sera dans la description. Vous pouvez like cette vidéo si vous avez apprécié, la commenter, vous abonner pour voir la suite. Et moi je vous dis peace, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. You said how you wanted, you said how you needed. Don't want you believe it, you take it or leave it.